bienvenue dans ce magnifique site de recyclage qui appartient donc à la société C3R. E3R. Moi, c'est toujours Bourgogne. Pour moi, c'est toujours Bourgogne. C'est Bourgogne Recyclage. Voilà. Alors, je voudrais d'abord remercier notre ami Guillaume qui nous reçoit ce soir. Donc, il a combien ? Un an, ce site ? Ah bah, le site, mon grand-père l'a repris en 87, donc c'est un peu plus d'un an. Non, mais l'installation et l'extension datent de mai 2023. Voilà, parce qu'on a fait l'inauguration, ça fait tout juste un an. Oui, tout à fait. Ça. Voilà, donc merci à la Maison Sécula, donc Guillaume, avec son frère Geoffroy, et à sa sœur aussi qui est là, qui fait la tendance. Merci à vous de nous recevoir pour la foulée des Vendanges. Alors nous voilà ce soir pour présenter donc la 33e foulée des Vendanges. On va tout d'abord présenter la société et on présentera après la foulée des Vendanges. J'ai prévu de vous faire faire un petit tour de recyclage, parce que c'est super intéressant. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, le recyclage est vraiment dans l'air du temps. Alors, pour commencer à faire un petit tour de table, pour présenter les gens qui sont ici, donc à ma gauche, ici, Jérôme Jaffla, c'est celui-là qui vous pique l'argent, hein, ah. Et le trésorier. Ouais. En force, nous avons le Crédit Agricole, représenté par son directeur de territoire, Mickaël Bourdeau, et il s'est entouré de deux femmes en adjoint, et donc Isabelle et Lévi. Derrière, nous avons la société Mono, représentée par Monsieur Dupont, et... Elle est là. Hop. Avec le chemisier de la bonne couleur, les couleurs belles. Mais je pensais qu'il y avait un dress code ce soir. Donc également, nos grands partenaires, monsieur Sébastien Filizot, la société donc Pago et Savoie. Voilà. Derrière, qui se cache là-bas, elle représente pas une société, elle représente tous les forces de l'ordre. Je la remercie parce que. Commandant de gendarmerie, de l'escadron de gendarmerie, la compagnie de gendarmerie, Amel Ayoubi, qui nous aide également à organiser, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les autorisations ne sont pas faciles à donner. Nous en sommes à la 33e édition. On essaie de gérer du mieux qu'on peut l'organisation et surtout la sécurité des gens. Donc merci à toi, Amel, de nous aider. Alors, je les ai vus arriver, je n'ai pas du temps d'aller les voir. Elles sont qui ? Le cèdre. Ah oui, le cèdre. On représente Lucie. Les deux ? Oui. Alors, enchanté. Alors, l'hôtel Le Cèdre, qui est Lucie, donc sa directrice, nous aide également en donnant des chambres pour nos invités. Ça, c'est encore un grand merci. Donc là, j'ai présenté tout à l'heure. Donc, Virginie. Ensuite, à côté, nous avons Monsieur Van Pelo, Pomona, voilà, qui est aussi un très bon partenaire en nourriture et financier, et qui nous aide à la soirée. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous rempli vos petites invitations pour le samedi 19 octobre. Ah, il y a du monde qui arrive. Donc, je vais aussi présenter notre ami Philippe Verlet, qui est le créateur de Brune Protection Incendie. Voilà, cette année, on espère que tout ira bien pour la soirée. Il ne partira pas en rouge. Hein? Bernard Bono, qui est un partenaire aussi présent sur Dijon et qui aujourd'hui est un commercial de choc sur Dijon. Derrière, Jean-Marie Montbello, AM Transaction. Si vous avez des lignes à acheter ou à vendre, il est là aussi pour nous. Léa Ferry, qui représente la société André et Associé, c'est ça ? Léa ? Oui, c'est ça. Derrière, Bruno Duval, enlève ta casquette pour te voir mal. qui représente la société Metalinox. Nous avons également notre ami Christophe Simoneau, qui est maintenant le principal, fournisseur sportif, parce que Decathlon
On s'est un petit peu français, hein, n'est-ce pas, mon cher Jérôme? On les a un petit peu envoyés balader. Donc, sport et nature à Beaune, et la pêche aussi, et la chasse. Donc, François Canu, qui est la société NC Service, non, oui, c'est ça. Si, NC Service, climatisation en tout genre, réparation de trancheuses. Matériel pour les métiers de bouche. Voilà, merci. La bouffonce de bénévoles, le père et le fils, hein, vous remarquerez qu'on se ressemble bien, hein. Thierry et Michael. Bernard Guay, l'immobilier Guay, merci à toi encore pour ton soutien depuis maintenant de nombreuses années. Il se cache là, le monsieur là. T'as travaillé, c'est eux qui t'ont enlevé tous les dégâts là. Ouais. Voilà. Donc là, l'année dernière, il a eu un petit incendie, le pauvre. Cette année, ça marche du tonnerre ou pas? Ça va bien. Donc Franck, qui est notre partenaire McDonald's, merci encore à toi. David Berthier, qui lui est un petit jeune. On s'est rencontré en début d'année, il m'a dit moi j'aimerais bien aussi faire partie de l'équiper. David Berthier a une société mécanique et service à Saint-Loup-de-la-Salle. Voilà, je te remercie de nous rejoindre. Je pense que tu connais aussi la société. Oui. Hein? Donc derrière nous avons Nathalie qui est aussi. Saint-Loup-de-la-Salle, c'est plus. Saint-Loup-Géant. Et c'est pas facile de dire. Oui, mais ça fait 15 ans. Je suis vieux. D'accord. Donc Nathalie, la femme à Jérôme. Il est parti où Là. Ah, il est là. Arrête de changer de place, tu vas te présenter plusieurs fois. Ah oui, oui. Florence Raguello et monsieur Ludovic Maugra, qui sont nos supports techniques, Facebook, Instagram, la communication, les relais bancaires. Bref, c'est mon agence de communication. Voilà, merci encore à toi de nous aider. Encore un petit nouveau, petit jeune aussi, Mobilog. Mobilog, une nouvelle société qui nous partenarise cette année, qui nous aide aussi cette année. Donc, qui fait de la salle de bain aménagée pour les personnes en situation un petit peu d'handicap. C'est l'aménagement de logement pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Et Tom Jafflin, qui représente ce soir la Brasserie de France, également notre partenaire. Oui, c'est son fils. Voilà, donc je te laisse la parole. Parfait. Merci à tous d'être présents ce soir. Est-ce que je vous demande peut-être de basculer de l'autre côté, comme ça j'aurai l'écran en support et tout le monde aura de la visibilité. Ah, j'ai oublié de présenter parce qu'il arrive en retard. Le jeune homme qui est arrivé là-bas avec la barre, donc c'est Bee Wonder, une société, Romain Roseau, qui est une société d'événementiel sur Dijon notamment, et sur Beaune aussi. N'hésitez pas à solliciter. Il organise très bien les événements. Il arrive en retard. C'est souvent exprès. C'est pas bon signe. Hein. Ça fait peur. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Au sein de l'entreprise, E3R, mais je vais expliquer un peu pourquoi E3R. Avant cela, je vais quand même présenter donc Virginie, effectivement, ma sœur, Pierre-Yves, son conjoint, et Anne, qui va visiter également avec nous, qui est notre directrice de site sur Travosite. Elle est conjointe. Trois mois. Le temps passe. Donc, et moi Guillaume Sécula, je dirige effectivement l'entreprise familiale avec mon frère et ma sœur, E3R. Alors vous connaissez peut-être l'entreprise Bourgogne Recyclage, pour les plus anciens du territoire, les établissements Étienne Sécula dans arrière-grand-père. Et donc E3R, tout simplement parce qu'on a sorti, on est sorti des frontières régionales, et 3E pour environnement, énergie, économie durable, et 3R pour recyclage, revalorisation et réemploi, qui sont les trois univers de notre métier. L'idée, c'est que je vous fasse une présentation rapide de l'entreprise et puis après, on ira visiter un petit coup Travosi pour que vous puissiez découvrir notre outil industriel sur le site. Donc, nos métiers, si certains les connaissent, en tout cas, vu qu'on avait des partenaires, tant fournisseurs et clients de chaque côté pour découvrir nos métiers,
trois métiers principaux, ce qu'on appelle l'apport volontaire, donc la partie plutôt apport métallique, hein, c'est le métier d'origine, celui de mon arrière-grand-père. L'entreprise a 75 ans aujourd'hui, on est parti de ce qui avait une valeur naturelle à être recyclé. Plume, duvet, peau de lapin, ficelle de lieuse. J'aime bien l'origine de peau de lapin parce qu'en 75 ans, on est un peu passé des peaux de lapin aux peaux de yaourt, mais c'est l'origine de notre métier et on la renie pas parce que c'est l'histoire de notre entreprise. Qui a très rapidement migré sur l'univers métallique, qui est souvent celui sur lequel on est plus connu, donc les ferrailles et métaux, le recyclage de ces matières-là. Déchetterie professionnelle sur l'intégralité de nos sites. Bonjour David. Donc David qui est notre directeur opérationnel, donc il dirige 9 de nos 18 sites en Bourgogne-Franche-Comté. Qui pilote les outils industriels notamment parce que au fil des années et par rapport à l'histoire de l'entreprise, on s'est industrialisé, vous verrez, notamment sur le centre de surprise, des innovations technologiques. Il arrive de Tricea, notre centre de tri mis en service lundi en 8, donc c'était la semaine dernière, qui est le centre de tri qui trie vos emballages ménagers, que vous habitiez, si je fais simple, pour les communes les plus hautes, Corgaux-Loin, jusqu'à Villefranche-sur-Saône, tous vos emballages sont triés sur notre site du Creusot qui vient d'être ouvert la semaine dernière et que David est en train de mettre en service. Nos métiers mis à disposition de contenants Ben, ça aussi c'est un des univers sur lesquels vous nous connaissez, les bennes vertes, c'est pour ça que je soulignais la couleur sympathique du vert, Bourgogne Recyclage qui est l'entité la plus connue du. Nos métiers, donc un volet transport, on voit nos camions, donc c'est forcément une étape incontournable de nos activités. 130 conducteurs aujourd'hui sous compte sans transport qui nous permettent de collecter les différents flux. Et des prestations à façon, on va dire c'est ce qui sort un peu du cadre classique de nos prestations. Ça va être du broyage, de la gestion de quai. Quand vous voyez des gardiens de déchetterie dans le secteur, en principe ils ont un t-shirt vert tout simplement parce que ça va être des gestions qui sont associées aux déchets et sur lesquelles on va opérer. Donc du pompage ou des démolitions de petits bâtiments, notamment effectivement malheureusement quand il y a des sinistres. L'univers R&D dans l'entreprise, associé à ça notre centre de démantèlement de véhicules hors d'usage. On a sur Dijon, Longwy, un centre de démantèlement de véhicules hors d'usage qui traite 5000 véhicules par an. C'est un process Renault, ça ne s'invente pas. Le process Renault à l'envers, c'est-à-dire qu'on va recevoir des véhicules, expertiser ce qui a un pouvoir, on va dire, de revalorisation et revendre sur Internet les pièces, parce que j'ai parlé de réemploi, c'est un des univers de notre métier. Avant recyclage, avant revalorisation, il y a le réemploi dans notre métier et c'est l'intérêt qu'on va avoir avec la partie pièce automobile. Et la R&D, bah, c'est d'être avant-gardiste sur les métiers du recyclage, de tout ce qui peut être valorisé. Il y a une explication simple que j'aime bien donner. On est le premier opérateur en Bourgogne-Franche-Comté, avec grosso modo 30% de part de marché aujourd'hui. Donc premier opérateur de Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est la seule région administrative de France où le premier opérateur n'exploite aucun centre d'enfouissement. Ça nous met dans une position assez simple. Si on veut proposer des solutions à nos clients, il faut proposer des solutions de valorisation. C'est ce qui fait que vous allez visiter une plateforme qui permet de valoriser le bois, une plateforme qui permet de valoriser le plâtre, un centre de surtrie, c'est ce qui fait qu'on s'intéresse naturellement à tout ce qui a un intérêt en matière de recyclage et de revalorisation, une ligne de production de combustible solide de récupération, parce qu'à partir des déchets non recyclables, on va créer un combustible. Et tout ça, c'est l'histoire de notre métier pour basculer vers ce qui a un intérêt environnemental. C'est aussi, au-delà de la perspective environnementale, un intérêt de marché pour nous, parce que si on ne valorise pas les 7% de tonnes que l'on ne valorise pas aujourd'hui, on est contraint forcé de les livrer chez nos concurrents. Comme on est assez pragmatique, qu'on n'aime pas les livrer, donc on cherche un maximum de solutions de valorisation. Le maillage territorial de l'entreprise, donc le siège est à Beaune. Pour ceux qui ont connu l'histoire de l'entreprise, on vient de l'avenue de la Sablière, hein, donc le site historique qui est plutôt aujourd'hui Maison Jadot. Donc ça, c'est l'histoire de l'entreprise. Et puis progressivement, en 87, on s'est installé sur ce site-là. Notre grand-père, à l'époque, a répondu à une délégation de services publics sur l'exploitation d'un incinérateur localement pour apprendre à gérer les ordures ménagères locales. Et aujourd'hui, le maillage territorial, c'est 17 sites en Bourgogne-Franche-Comté qui vont de Metz, si on fait l'extrême est et sur le dernier arrivé, Bourges sur l'extrême ouest, Saint-Dizier au nord, et puis une couverture de tout ce territoire-là, parce que globalement, pour de la mise à disposition de Ben, on va être compétitif dans un rayon d'environ 60 km. 93% des déchets qui rentrent chez nous sont valorisés et 800 000 tonnes de déchets transitent sur nos 17 plateformes aujourd'hui par an. 800 000 tonnes tous les ans qui transitent par nos plateformes. Environ 10 000 clients,
quelques-uns sont dans la salle, et 120 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. 35 000 tonnes de CSR, même 40 000 tonnes si on parle de CSR BAPCI, si on rentre dans la partie plus technique. Donc le CSR, c'est une alternative à l'enfouissement, l'un des outils industriels que vous allez visiter sur Travoisy. On crée un combustible à partir de la fraction non recyclable, donc la veine d'encombrant, déchetterie, les fractions non recyclables dans votre poubelle de collecte sélective, ou une benne de DIB tout simplement qu'on va avoir chez nos clients. Dans les moyens matériels, et vous allez nous retrouver sur ce qu'on appelle la collecte en benne, donc la collecte en pyrole, la pelle mécanique, hein, c'est l'outil historique, mais c'est quand même encore un outil aujourd'hui qui nous permet de trier quasiment les deux tiers de nos volumes, hein, donc on ne l'oublie pas et on le met en avant, parce que la pelle mécanique, c'est le métier d'origine. Et puis après, tous les moyens associés de collecte, des porteurs grues, des tracteurs fonds mouvants, des porteurs multivennes, etc. Tous les moyens qui vont nous permettre de ramener du déchet sur nos sites. Les premières étapes industrielles et la première presse à balles dans le groupe, on l'a installée en 89. Donc c'était une presse à balles sur le site de la Sablière. Donc aujourd'hui, l'entreprise compte 4 presses à balles qui nous permettent de mettre et de faire des gros paquets comme ceux que vous pouvez apercevoir à travers les fenêtres. Des gros paquets soit de plastique, soit de carton, soit d'autres matières industrielles, mais globalement de plastique et de carton pour la plupart des flux. Pour pouvoir les renvoyer chez des plasturgistes, régénérateurs plastiques qui vont derrière réinjecter chez des plasturgistes ou directement en cartonnerie pour les flux papier-carton. Des broyeurs qui vont nous permettre de travailler la partie végétaux et bois pour rentrer derrière sur les filières de recyclage, donc soit des pagnotiers, soit les plateformes de compostage. Les presses cisailles pour l'anivers métallique, donc 8 presses cisailles sur le groupe, et des cribles pour la fraction végétaux et également pour la fraction plâtre. 17 déchetteries professionnelles, donc sur le maillage territorial qu'on vous a présenté juste avant. Un centre de démantèlement de véhicules hors d'usage, donc c'est quasiment à instant T un millier de véhicules en stock qui nous permettent de dire si quelqu'un demain cherche une porte, etc. sur tel ou tel modèle, et bien notre métier ça va aussi être de proposer des pièces de véhicules d'occasion pour nos sites Dijonais. Un quai de transfert pour la partie ordures ménagères et collecte sélective, de sorte à pouvoir proposer aux collectivités locales une optimisation de leur flux. Aujourd'hui, sur nos clientèles, on a globalement 65-70% d'industriels. Alors, dans les industriels, on compte les éco-organismes, donc je dirais 50% d'industriels, un 20-25% d'éco-organismes. L'éco-organisme, c'est quand vous payez une éco-contribution quand vous achetez un frigo, un meuble, vous payez une éco-contribution, celle-ci est reversée à des tiers. Ces tiers ont pour mission d'État de structurer le marché du recyclage et de s'assurer que les flux qui rentrent chez nous sont valorisés. Parmi les éco-organismes, vous allez visiter aussi ici le centre de surtri, donc Citeo, c'est celui que vous payez à chaque fois que vous achetez une bouteille d'eau, une bouteille de lait, etc. Et qui va nous financer, nous, pour qu'on assure un tri qui va permettre un retour à la résine de certaines matières plastiques. Si on parle maintenant un peu plus de la fraction organique, Chalon-sur-Saône, en ce qui nous concerne, enfin à l'Aériau, deux plateformes qui sont face, donc 100 000 tonnes d'organique, soit des déchets verts que vous pouvez traiter en déchetterie, que vous pouvez livrer en déchetterie, soit des bouts de stations d'épuration, des sous-produits animaux, donc plutôt des déchets d'écarissage, soit de la fraction fermentescible d'ordures ménagères, donc la fraction organique que vous jetez dans vos ordures ménagères, ou des biobornes pour ceux qui sont sur des territoires limitrophes, qui vont nous permettre de faire un compost. Compost normé, sur lequel on a suivi pendant à peu près 20 ans la valeur agronomique qui est apportée aux terres et qui va nous permettre de produire le compost nommé Fertile, commercialisé en exclusivité par la coopérative Bourgogne du Sud. En clair, vous livrez des déchets verts sur la déchetterie de Travoisy, qui permettent de faire un compost qui revient aux agriculteurs locaux. À ça, on va rajouter quelques intrants pour être sûr que c'est une valeur agronomique pour les terres. Et face à ça, une plateforme de méthanisation, donc une plateforme de méthanisation qui va plutôt nous permettre de traiter du déchet plutôt industriel, riche en sang, en sucre. On aime bien dire qu'elle a tendance à nous ressembler, c'est-à-dire qu'elle aime bien tout ce qui concerne du sucre, de la viande. Donc elle ressemble aux dirigeants d'entreprise et elle nous permet surtout de proposer une solution de valorisation pour des déchets organiques sur lesquels on va d'abord faire de la méthanisation, donc c'est-à-dire typiquement il y a des déchets de la Brasserie de France qui sont intégrés, qui va nous permettre de dire d'abord on utilise le pouvoir méthanogène, donc la production de gaz de ces produits-là, et une fois qu'on a utilisé ce pouvoir-là, on va faire un compost avec la fraction résiduelle.
Vous comprenez, hein, l'ADN de l'entreprise, c'est de proposer un maximum de solutions de valorisation face à chaque déchet. C'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être un généraliste, de vous proposer et de proposer à tout un chacun des solutions de valorisation sur les déchets. Et derrière, en face de chaque déchet, d'aller mettre la bonne solution pour partir en filière de recyclage. On va visiter Travoisy. Alors, le parking existait déjà, le bâtiment pas encore. Donc on est positionné ici. Vous verrez que toute cette partie-là a été aménagée. Sur Travoisy, donc, une partie qui nous permet de gérer notre espace poids lourd. De l'autre côté de la route et avant la déchetterie de particuliers que vous connaissez, un atelier mécanique internalisé, 7 mécaniciens en interne qui nous permettent de maîtriser nos coûts pour être optimisés. Une grosse plateforme qu'on appelle activité DI, sur laquelle on va retrouver de la rupture de charge sur des flux industriels un peu spécifiques, sur laquelle on va retrouver une plateforme de préparation de nos flux plâtre, sur lequel on va retrouver la plateforme de préparation des déchets bois, et ça je vous l'expliquerai, nous vous l'expliquerons sur le site. Un bâtiment dédié à ce qu'on appelle la REP mobilier, donc l'éco-organisme, quand vous payez un meuble, globalement Bourgogne-Franche-Comté, il va revenir chez nous, quand vous le mettez en déchetterie, il va être trié pour séparer les différentes matières valorisables, bois, matelas, etc. Le bâtiment CSR, j'ai commencé à en parler, donc CSR, combustible solide de récupération, les déchets non recyclables, soit des encombrants de déchetterie, soit des refus de collecte sélectif, soit des fractions non valorisables chez les uns ou chez les autres, notamment sur la partie mobilier également, qui vont nous permettre de faire à partir de ces déchets-là un combustible à destination de cimentier, chauffournier ou de chaufferie industrielle, qui au lieu de se chauffer avec du charbon ou du pétrole, vont se chauffer avec du déchet. C'est ça notre métier aussi. C'est un lien avec l'énergie. Dans les E, dans les 3 E des E3R, on a notamment l'énergie qui est un lien direct de notre métier. Et puis le centre de sûreté qui est la dernière innovation, on va dire, de l'entreprise, outre le centre de tri que David met en service. Donc vous triez vos emballages ménagers, la poubelle jaune, elle est dirigée vers un centre de tri. Ce centre de tri va trier les matières principales, le carton, la brique alimentaire, la bouteille de ce qu'on appelle PET clair, donc la cristalline pour faire simple, le PEPP, donc la bouteille de lait, etc., etc., les aciers, les aluminiums, etc. Et parmi les flux, il va trier ce qu'on appelle un mix rigide, donc tous les plastiques rigides un peu compliqués qui représentent 1 à 2% du marché et pour lequel il n'y a pas d'intérêt à ce que le centre de tri qui trie directement vos poubelles le trie. Et bien ces flux-là sont dirigés vers 4 centres de tri en France. Le premier, le plus gros, a été mis en service à Travoisy et c'est notre centre de sûreté qui nous permet de retrier parmi ces résines quelques résines plastiques et de leur offrir une nouvelle vie en basculant sur la partie régénération plastique. Notamment le PS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous triez un pot de yaourt sur un quart de la France, il sera dirigé à Travoisy, et je vois le PS juste derrière vous, donc on en refait des balles pour derrière permettre à ces produits-là de basculer désormais en pot de yaourt depuis un mois. Hein, au démarrage de l'unité, on basculait, on faisait du coproduit, donc on faisait du cintre à partir des pots de yaourt, désormais on fait du pot de yaourt à partir de la pot de yaourt, de la bouteille de lait blanche à partir des bouteilles de lait blanches, de la bouteille de coca à partir de la barquette de tomates cerises. Donc ça, c'est ce que va permettre le centre de sûreté, et ça fait partie des raisons d'être de l'activité. J'ai pas forcément plus de sujets parce que je pense que les derniers visuels concernent le centre de production de combustible solide de récupération, donc je le présenterai mieux sur site. L'idée c'est de vous équiper maintenant, peut-être de se faire deux groupes, David. Un groupe pris en main par Anne et David, et puis un groupe pris en main par moi, pour pouvoir vous faire visiter le site et puis après partager un moment de convivialité. Merci à la foulée aussi, accessoirement, de nous accueillir ici. Enfin, de venir ici, partenaire depuis quelques années, doublement partenaire depuis cette année. Tu m'as appelé pour me dire j'ai un problème, j'ai deux partenaires, mais les deux partenaires c'est toi. Donc avec grand plaisir pour continuer le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Dans le localisme. Merci beaucoup à vous. Une petite seconde d'attention encore, hein. Encore un grand merci, Guillaume, pour ton accueil, ton excellent accueil. Là, après les pchip pchip pchit, là maintenant on fait toc toc toc, c'est pas mal. Jérôme, je t'attends, hein, mais bon. Pourquoi Jérôme ? Donc, on va quand même parler un petit peu de la foulée, hein. Ça serait quand même. Donc cette année, la foulée aura bien lieu le 19 octobre. Un petit changement. Un petit changement cette année dans l'organisation. Donc nous aurons toujours la course famille de 800 mètres, donc un enfant, un parent, le 1 km, 2 km jeune, un 5 km, la course de Muriel Urtis,
à 10 km et le 20 km de, c'est-à-dire le 20 de Savigny-Pernant et Dalloz s'est transformé en semi-marathon de Pernant et Dalloz pour un retour bien sûr sur Savigny. Voilà, le premier semi-marathon donc aura lieu cette année à 14h le 19 octobre. Je voudrais également remercier bien sûr tous les partenaires ici présents. Un partenaire, je vous donnerai la parole tout à l'heure, donc ça il va vous le dire. Quand vous partez, chaque convive, si ce soir repartira avec une bière, ça je te le laisserai dire tout à l'heure, et surtout un pot de cornichons offert par l'Européenne de Condinant, donc la Maison Cune, de Fissin. Et le jour de la course, ils auront également un pot de cornichons. Vous pouvez aussi parler, vraiment me chercher, Christine, dans la voiture, la bouteille de vin au milieu. La bouteille de vin, Bourgogne, la petite, pas les grosses. Oui, non, je ne sais pas. Donc nous, dans notre course, en fait, tous les participants sont récompensés. Tous les enfants ont une très belle médaille. Alors les enfants, médaille. On peut parler. Médaille, alors, les courses enfants sont récompensées par McDonald's. Il est là, notre cher ami. Oui. Oui, il est. Il est là. Voilà, merci Franck pour ton soutien. Un bon d'achat d'une réduction sur le menu Ludo, rappelle-toi. Je... Voilà. Chaque enfant a effectivement une très belle médaille. Chaque enfant se reverra remet un cadeau de la commune de Savigny-les-Baules, c'est-à-dire un verre rétractable. Voilà. La société Optique 2000, qui nous accompagne aussi depuis de nombreuses années via Stéphane Péculier, offrira également une paire de lunettes de soleil Optique 2000 à chaque enfant. Voilà. La laiterie, la fromagerie Delin, va nous offrir également une brique de lait, comme à l'accoutumée, pour offrir. Et pour tous les participants. Pour tous les participants également. Donc il y aura effectivement des produits Urgo. Oui, Urgo. Urgo. Des partenaires Repen Cune. Et bien sûr, comme on reste dans notre tradition bourguignonne, un vin. Chaque participant a une bouteille de vin d'un propriétaire de Savigny. Voilà, de Bourgogne-Côte d'Or. Voilà. Donc le domaine, c'est le domaine Camus, Guillaume. De Savigny-les-Baules. Ce soir, vous partirez également. Donc, la Brasserie de France va à nous, vient là de Tom. Tu te présentes. Hein? Je me représente. Donc, bonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas vu. Donc, moi, Tom Jafflin, le représentant commercial de la Brasserie de France à Beaune. Donc, voilà, donc pour la 33e édition de La Fouillée, on a convenu avec Octavio, bien sûr. Pour chaque participant et chaque participante, repartir avec une bière de nos 4 recettes labellisées 100% Côte d'Or, mais pas que. Comme l'a dit Octavio, il y a une nouvelle course cette année. Et pour la gagnante du semi-marathon, on a décidé de lui offrir son poids en bière. Voilà. Ça, c'est une nouveauté aussi. Alors, mesdames, à vos baskets. Il y a également Pierre Boll, ça va nous rejoindre, la région. Comment ? Normalement, ça ne va pas coûter très cher, parce que c'est rarement un poids. Donc, nous valorisons la Côte d'Or, bien sûr. Le 21, c'est aussi un clin d'œil au département. La bière 21, donc ce soir, vous repartirez, n'oubliez pas, la Brasserie de France vous offre une bouteille, repartez avec. Le jour de la course, chaque participant et participant se verra remettre également une bouteille. Voilà, ça c'est tous les cadeaux. Je vous dis encore un grand merci, n'oubliez pas de vous inscrire à la soirée du 19 octobre. Alors la soirée du 19 octobre... La Doire. Oui, attends.
La soirée du 19 octobre, donc vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, nous aurons, c'est Magali Ripoll de l'émission N'oubliez pas les paroles qui va nous faire notre show. Également, nous avons pour les bénévoles, avec la Saint-Vincent Tournante, en complicité avec la Saint-Vincent Tournante, Christophe Simoneau de Sport et Nature et le Crédit Agricole, nous avons décidé de mettre en clin d'œil, faire un petit clin d'œil à la Saint-Vincent Tournante de la Loire-Sérigny. Chaque bénévole se verra remis un t-shirt comme ça, voilà, avec le Crédit Agricole bien sûr, merci. Merci pour Lucas, voir nos voisins, je sais pas où il est, hein, je le vois plus, ah il est là. Merci de nous avoir permis de vous accompagner. Oui, et là, et je crois que, Christophe t'es où? Il y aura des groupes qui se verront remettre aussi des t-shirts, voilà, et les coureurs courront avec ce maillot-là. Et le même, mais en bleu. Donc on verra bien les bénévoles d'un côté, en rouge, et les bleus qui courent. Merci, 19 octobre, le jour J, n'hésitez pas à venir. Voilà. Alors, je peux pas vous dire les sportifs qui vont venir, parce que je le fais pas. Je ne sais pas, c'est la première fois, ça fera 22 ans que je suis président de la Folie de mon ange, c'est la première fois que je peine à faire venir des sportifs. Thomas Joinet, son épouse Armelle Dutch, sa fille Chloé, la fille d'Alexandre Lamy et de Thomas, viendront. Muriel Urtis, normalement, elle sera là. Mathieu Péché, notre ami séiste, sera là également. Notre ami Cyril sera là. Jackson peut-être sera là. Il a des impératifs sur la réunion. J'attends une réponse, je ne sais pas si je peux le dire. Demain, j'ai la réponse de Johan Diniz. Il m'a dit à 99%, je devrais être là. Mais c'est très compliqué pour une année post-olympique française, alors que d'habitude, on refuse le monde, quoi. Compliqué. Les partenaires financiers se les attirent beaucoup. C'est la France, les gens reviennent. Voilà. Bon. On croise. Il y aura une belle course. C'est surtout ça qui est important. Et encore merci à vous tous de nous aider à organiser cette 33e édition de la Foulée des Vendanges. Voilà. Les deux. Vous voulez? Alors, on peut encore remercier vraiment Guillaume et sa sœur et Geoffroy aussi de nous accueillir dans cette magnifique entreprise beaunoise. Merci encore à vous. Ça, c'est... Guillaume, Jérôme. Regardez ce beau trophée qui a été fait par l'entreprise Remy avec la tonnellerie Tremont, avec des matières complètement nobles que j'espère Guillaume ne recyclera pas un jour, pas trop tôt surtout. Voilà, c'est le trophée représentant la Côte d'Or. Et maintenant, je voudrais aussi lui remettre un trophée à Guillaume pour nous avoir accueillis ce soir. Voilà. Sympa. Merci beaucoup. Là, demain, ça n'allait pas très loin. C'est mieux dans ce sens-là. Eh bien, merci, puis belle réussite à la foulée. Merci à toi. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on dit ?
Santé, ben, consommation. Voilà. Et là, c'est un petit clin d'œil qu'on fait. Ah, je vais te poser une question. Est-ce que vous avez Je ne suis pas venu pour répondre à des questions. Est-ce que tu as des autocollants Côte d'Or qu'on colle par terre? Je vais trouver ça. Je vais trouver ça. Ça m'intéresse. Voilà, un petit clin d'œil à notre ami Pierre. Accessoirement, il est vice... Non, il est premier adjoint de la ville de Beaune, c'est ça? Oui, oui, oui. Accessoirement. Mais là, t'es... À mes heures perdues. T'es pas là pour... Bon, simplement, bonsoir à toutes et à tous. Octavio vous a interrompu dans quelque chose de très... C'est ça, la foulée des vendanges aussi. C'est cette ambiance familiale. Merci, Octavio. Merci à tous les bénévoles, parce que j'en vois quelques-uns. C'est un travail considérable, mais pour faire une des plus belles manifestations sportives de la Côte d'Or, justement. Et chapeau bas. Et je sais qu'il y a encore des nouveautés cette année. Oui, le 20 km est en semi-marathon. Ils veulent se frotter au semi-marathon. Debout. Mais ils sont capables de réussir. Hein. Non, puis, le semi-marathon. Ouais. Oui. Et puis simplement, j'en profite, parce que vous êtes là, merci à tous les partenaires. Parce qu'une manifestation comme celle-là, elle n'est possible que parce qu'il y a des partenaires financiers qui rendent possible cette organisation. Des partenaires et des bénévoles. Merci à toutes et à tous, merci aux bénévoles. Et puis c'est bientôt, c'est dans... 19 octobre. Dans 3 semaines. 3 semaines. Vive la Côte d'Or, vive les foulées des vendanges. Vive la Côte d'Or et la foulée. Le semi des marathons. Et puis reprenez vos verres, reprenez ce qu'il y a dans les petits plateaux. Le marathon de Dijon, le 10 km, affiche 4600 personnes. Ils ont clôturé leurs inscriptions. C'est énorme. Au bout de quelques années, c'est énorme. Alors à Dijon, il y a un beau bassin. C'est 200 000 habitants. Savigny, c'est 1500. Hein. Voilà, mais nous, on va faire 1500, 1600, 1700. C'est très bien. On est content. Et merci à la famille Sécula de nous accueillir. Oui. Je les vois, je leur fais un petit clin d'œil très amical. Et je crois que pour toute l'organisation, on peut faire un petit bon bourguignon, non? Vous en avez déjà fait? Non. Allez. Allez. La, 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 la. La 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 la. Il va falloir s'y mettre, hein, parce que... Hein, on les voit les étrangers, d'abord. Bon, ça va, il n'y a pas la presse. Mais ce qui est important de dire aussi dans notre belle Bourgogne, dans notre belle Côte d'Or, c'est que le vin participe à la santé publique. Donc le vin et le sport, ça se marie bien aussi. Vous en êtes la démonstration. Bravo.